Aujourd'hui, jeudi 22 mars 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carte pour nous capoter pour la quatrième sortie téléjournal pour semaine si là. On espère que vous passez un très bon mercredi. Déjà, on a pas souhaité tout le monde passer un très bon jeudi. Rapidement, mes principaux points cap pour faire essentiel le journal là pour maintenir pour nous faire connaître. Présentation rapport carnaval 2017-2018 là, rapport pour sous organisation festivité rara ni passé yo, rapport dépenses commémoration 17 octobre 2017 là passé était dans discussion qui fait ailleurs entre commission kilti ak communication chambre député ak ministre kilti Limon Toussaint et puis directeur général ministère si là Jean-Michel Lapin. Jeudi 22 à vendredi 23, Office Management Ressources Humaines a organisé un forum international à Port-au-Prince. C'est pour l'occasion pour dresser bilan avancement qui fait dans la réforme à l'État et puis mettre campé plan pour rendre changement au plus fort d'après coordonnateur général OMRH, la docteur Josué Pierre-Louis. Sénateur Noah Naroum Marcellus Sibi yon accident vasculaire cérébral nan moment en séance plénière mardi 20 mars passé à Poukounia parlementaire prend direction pays les États-Unis côté la prend soin dans Jackson Memorial Hospital. Porte-parole PNH La France, leur bout, dressé bilan, diverses opérations la police menée, sauté 7 pour arriver 21 mars là. Ensemble, pour savoir quand pilote a bien pour faire essentiel le journal là, pour jeudi, on n'a pas vu tout arrêter, bon, chaîne 8 là, on n'a pas tourné un petit moment, t'as pris pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas de bienvenue dans le développement information. Et j'ai qu'une dernière dans différents titres pour nous faire connaître. Sénateur Noah Naoum Marcellus prend soin dans Jackson Memorial Hospital dans le pays des États-Unis après malaise il était senti pendant la séance mardi 20 mars passé dans le Sénat République là. Yon avion ambulance qui sorti dans pays les États-Unis te vienne chercher sénateur Naoum Marcellus d'après président Sénat République là sénateur Joseph Lambert avec président commission santé avec la Murakantave qui fait connaître gain anti évolution tout petit qui fait sous état santé sénateur si après 5 jours il y a tant l'autre résultat yon extrait de micro Richardson Joudan à Hervé Pierre. Au cours d'une séance extrêmement importante, eh bien, sénateur Naoum Marcellus a gagné un malaise. Malaise a fait que l'Assemblée sénateur a été obligée de suspendre le travail pour être capable de transporter d'urgence à l'hôpital. Effectivement, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Bernard Meuse, accompagné du président du groupe majoritaire et du médecin sénateur Cantave. Et nous, en mesure pour nous dire, il y a de cela quelques secondes, mais quelques minutes, eh bien, gagné un avion ambulance que nous avons fait venir directement de Miami pour te permettre que l'on prenne soin dans Jackson Memorial Hospital. Et nous estimons que avec toute diligence qui était faite bon côté nous-mêmes, tous sénateurs réunis, et tout ça qui était fait tout bon côté certains responsables dans l'État, plus particulièrement Dr Agabus, et ensemble de médecins qui étaient présents ensemble avec nous. On a salué toute la présence au passage du président de la République, qui était rendu visite de courtoisie du Premier ministre, qui était très présent, campé, bon côté nous, dans le moment ça. Eh bien, nous sommes capables de dire situation sénateur-là et ta santé-là a évolué positivement. Il y a une évolution qui est positive qui fait. Nous avons attendu les 5 premiers jours finis couler pour que nous avons une idée arrêtée de comment l'évolution a bien. Donc, et ça, et justement, c'est l'information que le neurologue là, chirurgien neurologue là, bah non, qui dit qu'il faut attendre les 5 premiers jours, n'est-ce pas, pour que nous voyons exactement comment l'évolution a fait dans le domaine de santé. C'est un constat. La santé est hospitalisée. La santé chez nous n'est pas en santé. La santé, justement, est alitée. La santé est malade. Et c'est ça qui fait qu'au niveau du Sénat, nous tout qui là, nous conscients de ça, il y a pile disposition qu'on prend pour que nous fassions des lois appropriées passées.
tant pour la loi sur la réforme du secteur santé qui est déjà déposée avec l'appui de tous les sénateurs présents, la loi sur la couverture universelle de santé que nous allons voter très bientôt dans le mois d'avril là, pour que nous puissions arriver à améliorer la situation. Les sénateurs sont conscients. Le président est aussi conscient de la question, si bien que le président a eu récemment à former la commission présidentielle pour la réforme du secteur santé qui a pied d'œuvre, qui travaille là, de sorte qu'il y a une harmonie, une sorte d'articulation entre la présidence, le Sénat, le ministère de la Santé, pour que nos cas privés qu'on y a offrent des hôpitaux, des structures hospitalières qui cabalent les soins attendus, les soins appropriés, de sorte que, après atterrissage Vision Sahara, dans 20 ans, dans 30 ans, nous puissions avoir des présidents des pays étrangers qui viennent chercher des soins chez nous en Haïti. C'est un objectif qu'on se fixe au niveau du Sénat et on va travailler pour que justement, de concert avec la présidence, le ministère, nous puissions atteindre cet objectif dans les années à venir. L'autre information dans le journal là, toujours dans ça qui concerne le dossier ici là, pour une fois qu'on est ancien président, commission santé, chambre basse là, député Sinal Bertrand, pour tes explications sur ça qui t'a provoqué crise AVC, sénateur Naoum Marcellus là, m'a dit 20 mars passé. Député circonscription pour saluer, m'a demandé ministère santé publique avec la population pour faire campagne de sensibilisation sur maladie tension. Dans le vidéo suivant, extrait dans le micro, c'est trois par qui avec Moïse Woodbridge. ACV ou bien AVC ou bien AV, les cas toujours anglais, espagnol ou bien français, c'est accident cérébrovasculaire. Nous carré le vasculaire encéphalique, tout l'année de AV en espagnol. Normalement, c'est pression et nous carré dit tension, pression et qui pour monter sang, etc., qui vient trop, et puis li éclate vaisseau, et dans cas hémorragique là, parce que li cas ischémique tout. Dans le cas hémorragique, là, par exemple, nous avons parlé de la situation sénateur Naoum, non? Et par là, son hémorragique, ou exemple de tout, pression vient augmenter, et puis vaisseau, et j'en ai dit l'en bon créole, il vient éclater. Quand il y a sang, il vient tomber, côté le pape doit tomber, laisse à côté pour santé recevoir, qui l'a pour recevoir sang, il vient un petit genre vide, et mec qui vient poser. Dans le cas par sénateur Naoum, non, nous avons dit pronostic un petit genre réservé. Parce que capable là c'est hémorragique son ou bien AVC ou bien AV et nous ka dit qui hémorragique li ba ischémique ça veut dire pronostic antigen réservé. Jodi a nous t'est arrivé dans l'hôpital Bernameuse, nous féliciter l'hôpital Bernameuse pour genre de attention nous et sénateur Abjoun, ça veut dire nous gagne de monde qui comprennent que problème là et faut nous ka résoudre dans pays au lieu que nous voyager avec nous. Pour qu'on y a, nous prenons dans ça qui concerne le dossier sécurité. Pour nous faire connaître plusieurs arrestations pour cause assassinat qui est banditis, 397 munitions calibre 12 avec une quantité stupéfiante avec l'autre matériel la police saisie. C'est bilan opération direction générale police nationale d'Haïti adressé ce 17 pour arriver 21 mars passé. Porte-parole PNH la France Lerbourg fait connaître un sud PNH fait 8 arrestations dans le cadre de 2 individus qui ont été décapités avec 6 autres arrestations dans un gang qui relie Al-Qaïda. N'a pas vite suivi un bout dans l'intervention porte-parole institution PNH la micro de Daline Dorival avec Hervé Pierre. 20 policiers dans la Tibonite qui subissent une formation en gestion de scène de crime. Ça, très important pour la simple et bonne raison que même comportement citoyen par rapport à une scène de crime sont bas qui toujours bas la police en pile problème. Parce que depuis une, deux, trois mois passés, son scène, ils ont souillé. Donc, plus la police, policier a lui-même, il connaît qui comportement pour le gain par rapport à la scène de crime, dans la délimitation, espace, etc., défini couloir de pénétration, et plus unité territoriale, nous, maîtriser le domaine ça et plus ça peut gérer scène de crime. Donc c'est une formation qui est très importante et qui a continué au niveau territorial dans toute région du pays. La preuve c'est qu'on est capable d'étendre compétence ça à tout département pour au moins dans chaque département ou bon équipe de police technique et scientifique qui est capable d'intervenir avec les professionnels. Cependant, le policier administratif, ça a le gain pour le faire. Il y a un policier conscrit scène de crime dans sécuriser pour permettre que l'expertise à venir pour prélever indices.
Commission Kilti ak communication chambre député a organisé une séance de travail avec le ministre Kilti a Limon Toussaint et puis directeur général ministère Sila Jean-Michel Lapin sous plusieurs activités culturelles ministre Kilti a été organisé. Il y a divers points qui abordé dans compte ça parmi eux présentation rapport carnaval 2017-2018 là sur rapport sur organisation festival année passée avec rapport dépenses commémoration 17 octobre passé. Président commission Kilti ak communication chambre Basla député Roms Perilus fait qu'on a recommandation by yo fait plusieurs recommandations by ministre Kilti son ensemble rapport si la yo yon extrême micro c'est quoi pas qui ak Moïse Ulbrich qui était sous place. C'est important pour nous inviter et ministre sous une série de grandes activités qu'il organise pendant qu'il est en tête ministre à savoir et carnaval qu'il déjà organisé à savoir et fête rara qu'il organise et les grandes fêtes également et 17 octobre et 1er et 2 novembre et bien nous avons besoin qu'on ait et bien et montant que le ministre était disponible dans chaque occasion ça et comment il était utilisé est-ce qu'il était bien utilisé donc nous demandons au ministre pour te porter pour nous un rapport détaillé de toute activité ça ce que le ministre fait. Mais malheureusement, et nous trouvons au niveau de la commission qui rapport là, c'est un rapport qui n'est pas bien élaboré. Rapport, c'est un rapport qui n'est pas gagné de détails qui n'a pas cherché. Rapport là, c'est un rapport qui n'est pas gagné et les pièces et justificatives et pour que nous-mêmes nous sommes capables de faire une étude approfondie sur le rapport. Ça. C'est pour nous un bout de papier qui identifie deux ou trois organisations qui ont reçu des subventions. Dans chaque occasion que le ministre lui-même était fait une fête, dans chaque occasion que le ministre était recevoir une enveloppe. Pas oublier que le ministère culture et dans 17 octobre, si je ne me trompe pas, il recevra une enveloppe de 20 millions de gourdes. Il y a une autre occasion également qu'il était recevoir une enveloppe de 40 millions de gourdes. Nous pensons que nous avons manqué à deux voix, non? En tant que député, si nous n'avons pas invité le ministre pour nous questionner sur qui gestion qu'il fait de montant ça. Ministre Kilti ak communication Limon Toussaint salue travail commission Kilti chambre député a pendant li annoncé ministère li a dirigé a déjà mobilisé 15 millions gourdes pour développement festivité rara année passée dans diverses communes dans pays a. Yon l'autre côté ministre Kilti a Limon Toussaint promet li pral travail pour capable finaliser rapport dépenses diverses activités culturelles ministère a organisé. Les motos synthénamiques, c'est quoi pas qui a créé Moïse Ulbrich? C'est fini avec le rapport. Nous montrons que les organisations que nous fournissent des subventions et nous baillons les. Maintenant, la commission a demandé nous pour nous bailler aux pièces justificatives qui sont mentionnées dans la lettre que nous avons reçue. Donc, nous prenons une décision nous, pour nous transmettre. Pièce justificative qui montre que côté organisation ça a été produit une demande et que demande là et le ministère a été répondre avec demande et ainsi que pour nous bailler acquis des droits que nous avons livrés qui permettent de recevoir chèque dans finance et c'est tout ça que vous recommandez que nous mêmes nous gagnons pour nous bailler dans la rencontre que nous avons gagné jeudi là pour question de Rara. Nous avons au sein du ministère un montant de 15 millions de gouttes qui est disponible dans le budget nous et que nous écrit le ministère des Finances pour les mettre à jour sur les pour nous. Toutefois, les répondre, nous avons fait ça, nous devons faire, j'en nous devons faire. Office management ressources humaines annoncé organisation jeudi 22 et demain vendredi 23 yon forum international dans Port-au-Prince. Coordonnateur général OMRH là Josué Pierre lui expliqué c'est pour l'occasion pour dresser bilan avancement qui fait dans réforme l'état et puis mettre campé plan pour rendre changement yo plus fort. Josué Pierre lui reconnaît gain pile effort qui fait dans affaire réforme l'état pendant la encourager chaque fonctionnaire respecter principe qui trace aider l'administration publique là venir un service qui puis près chaque citoyen. Nous économico Antima Sake Moïse Ulbrich. Les attentes des citoyens ne sont pas satisfaites. Donc citoyens ont besoin d'un service public de meilleure qualité. Citoyens ont besoin d'un service des services publics plus rapides, services publics de proximité.
Donc, citoyen a besoin que les besoins passeport, passeport jeune rapidement. C'est ça fait pour après que le président de la République a institué, installé ensemble du centre de, un centre de livraison un peu partout à travers le pays. Mais on peut comprendre qu'on réforme administrative, la réforme de l'État, c'est pas comme si c'est pas visible. Donc, d'accord, c'est pas un cas qu'on construit pour nous arriver, mon avec là, donc ça prend du temps pour que pour jouer un impact là. Mais impact là important, là vous avez raison, parce que c'est un impact là qui pourra qui va permettre de que l'action soit légitime. Et donc, dans ça qu'a fait là. Donc, au niveau de décentralisation, bien fait. Et nous parlerons mes réflexions tout que. Par exemple, le président de la Fédération des maires, des AZEC, des CAZEC, nous parlons pour intervenir dans le forum, dans tout, pour parler de l'état d'avancement, Jules-Édouard Pierre, avec d'autres acteurs. Donc, nous avons M. Amari et Joseph Noël qui parlent parler tout de questions. Donc, c'est pour dire que nous avons plusieurs bails qui fait, nous organisons plusieurs concours, et des concours au niveau national et au niveau sectoriel. Actuellement, nous avons près de 5873 jeunes qui participaient dans des concours que nous organisions. Et nous continuons à faire concours là et dans toutes les structures de l'État. Donc ça veut dire que nous avons actuellement, pour Anissa, 350 jeunes qui entrent dans l'État par voie de concours. Parce que pas oublier que l'on a un engagement avec nos partenaires techniques et financiers pour continuer à agir avant. Donc, vous conseillez des engagements côté prend, il faut qu'on respecte. Donc, maintenant, les indicateurs au niveau, en ce qui concerne la réforme de l'État, c'est tout le monde qui applaudit, qui salue. Et c'est raison ça qui fait que, on peut gagner une remobilisation sous le leadership du président de la République et, sous et du premier ministre, côté que tous les acteurs sont unanimes à reconnaître que la réforme est dans le bon sens et que nous pourrons garder pour nous. Comment que maintenant, nous pourrons monter un troisième programme cadre, effectivement, sur l'opérationnel, sur la mise en œuvre, pour qu'il y ait d'action à impact plus direct, plus réel au niveau de la, au niveau de la population. On a suivi l'intervention coordinateur général OMRH, là, M. Josué Pierre-Louis. Association AZEC l'Ouest AAO, c'est une nouvelle association AZEC qui se tient dans plusieurs sections communales dans le département de l'Ouest, là, qui est financée et qui est lancée officiellement hier mardi en Port-au-Prince. Même association, ça a expliqué. Mission principale, c'est faire promotion, décentralisation et développement local pendant qu'il y a posé action, mais non, mais avec l'autre membre association communale AZEC. Lancement association AZEC l'Ouest fait en présence du ministre intérieur et la collectivité territoriale, là, Dr. Max Rudolph Saint-Albin et le professeur Demesa Auguste. On a pas vu tout suivi un compte rendu avec Roosevelt Desrosiers et puis Jean Fleury. Lancement officiel association AZEC l'Ouest, là, c'est l'occasion pour élu local sa yo partager une avec l'autre problème y a fait face dans section communale yo manque accompagnement bon côté autorité dans l'état, discrimination aux victimes, projet yo gain yo ta remé réalisé, c'est parmi diverses raisons qui empêcher yo jouer rôle comme ça doit d'après déclaration plusieurs AZEC. Jodi nous vinn là pour nous vinn porter revendication à chaque pour nous vinn dire ça y a subi la caillou dans la société, dans la communauté. Pour nous dire que les gens qui ont traité en par un pauvre, les gens qui ont fait grande discrimination en dehors avec les la ville, les gens qui ont chaque élection, ils ont passé sous coup nous pour arriver en l'air. Professeur Demesa Auguste, qui a participé dans la cérémonie de lancement, tu as profité de mettre l'accent sur l'importance de l'AZEC dans le développement de la section communale. Professeur Akwe, chaque AZEC gagne pour mission mobiliser membres dans la communauté li sous problème y a fait face pendant y a proposé quelques solutions dans un titan tout court. Faut nous-mêmes en tant qu'AZEC, en association avec AZEC avec Mérion pour nous garder mes côtés qu'a pas problème yo. Parce que si nous on fonction contrôle en tant qu'AZEC une fonction fondamentale nous y nous avons fonction d'agent de développement local. Nous gagne pour nous identifier problème yo. Et pour définir ensemble les investissements qu'on a fait. Nous avons un rôle fondamental d'agent de développement. Là, il y a un problème dans le pays, il y a un choléra. Le premier monde qui a signalé l'existence de choléra, c'est nous. Pas même qu'à Sèkre, non. Parce que si habitation en dehors de bouc, de centre administratif qu'à Sèkre, c'est nous qui avons gagné. Quand il y a un gros bâillot, il y a un autre
Bon, bah, il y a des déboisements. Il faut bon moyen. Décision pour mettre campé association avec l'ESLA a permis à ZEC de renforcer tête yo pendant la petite section communale yo, d'après le ministre intérieur à collectivité territoriale là, Max Oudolf Saint-Albin. Dans l'idée pour le gouvernement porter soutien li ak AZEC yo, ministre Saint-Albin promet, dans moins d'une semaine, li pral distribuer motocyclettes par chaque AZEC. Ce genre d'exercice démocratique est toujours le signe de changement réel pour la communauté. Jean ça dit dans le proverbe créole là. Mais en pile chat et balou. Là nous décider formaliser et légaliser l'organisation. Là nous décider mettre divergence politique à côté parce que nous voulons atteindre le même objectif. Nous porter l'espoir dans la population. Le président de la République, son excellence Monsieur Jovenel Moïse, ainsi que le chef du gouvernement, le docteur Jacques-Guy Lafontaine, ne cesse de le répéter. Il faut l'implication réelle des autorités locales, à la fois dans les structures de décision et dans les espaces d'exécution. Nous c'est voix peuple. Ça veut dire, nous ne devons pas être nos moyens. Pour le gouvernement central, attendez-nous, laissez nous parler. Association AZEC l'ESLA vient faire 10e association dans la Fédération nationale AZEC d'Haïti qui gagne la donne Association AZEC 10 départements géographiques pays. Normalement, Association AZEC l'ESLA t'a doué gagne la donne 685 membres qui c'est quantité AZEC dans le département l'ESLA. Merci à notre collaborateur Roosevelt Desrosiers qui t'a présenté nos comptes rendus. L'autre information dans le journal, l'autonomie, là, c'est officiellement mardi 20 mars. Là, une initiative qui prend intérêt à la population, et spécialement pour le moment où on a l'occasion de faire un moment qui a approché là. Dans le cas de Tirasa, responsable LEH, là, Marie-Margaret Fortuné, encourage tout le monde à jouer pour être capable de gagner parce que je vais être là, pas un hasard. Compte rendu avec Mildred Milias avec Henri Robert Chéri. Selon le directeur général LEH, Margaret Fortuné, l'autonomie c'est un moyen qui permet l'autorité Haïti sur le plan économique et social. Jouer pour 25 gouttes ou après gagner 1 million gouttes. Puis loin, responsable l'autorité a dit, en tant que maman, femme d'État, situation maman n'a pas été indifférente. Dans le cas de tirage autonomie, a gagné plusieurs primes. Tant que 1 million gouttes, 200 000 gouttes, avec plusieurs primes consolation. L'automami a vraiment spécial pour maman yo. Nous demandons tout le monde pour prendre chance yo. Parce que c'est pour hasard, c'est jouer pour jouer. Garçon yo ka jouer pour maman yo, pour ménage yo, pour sœur yo. L'autoa nous tande comment le relais, c'est l'automami, il concerne toute femme dans le pays. C'est toute femme qui pour jouer pour nous participer à renforcer une institution qui c'est institution d'État. Chaque monde qui vient, il y a un pourcentage sur le bloc fichu. À travers 10 départements. Nous toujours vendre sur WhatsApp, sur téléphone 48 75 36 76. Nous continuons à vendre sur WhatsApp pour les gens qui ne sont pas déplacés. Vous voyez comme là par mon cash. Et puis, vous voyez le numéro de fiche pour vous, vous voyez le téléphone. Non, prenons zone côté ouïa. Et nous t'es touché en pile monde dans expérience ça. Représentant coordination SIDLA encourage jeunes à participer dans l'automami. Une façon pour qu'à suspendre quitter pays ya. Pendant encourager yo joindre un emploi direct souterrain. Dernier rempart économique depuis dernier rempart financier paysan, l'état donne sur l'autre yan. Si nous pas voulez comprendre ça, nous allons sur WhatsApp, sur Google Play, nous maintenant à regarder, suivre pour nous qui s'alloutrier dans l'autre côté. Faire l'autre l'État haïtien et dynamique dans la société, ya? C'est le vice-directrice générale LEH. Là. Voilà, c'est avec la dernière information ça, que le journal Akaba pour matin. Mais juste avant, nous allons rappeler ensemble un point qui était fait essentiel le journal là, jeudi. Ya.
Présentation rapport carnaval 2017-2018 là, rapport sous organisation festival année passée à rapport dépenses commémoration 17 octobre 2017 là passé était dans mi-temps discussion qui fait entre commission culture et communication chambre députée et puis ministre culture Limon Toussaint et puis directeur général ministère Jean-Michel Lapin. Jeudi 22 et demain vendredi 23, Office Management et Ressources Humaines a organisé un forum international dans Port-au-Prince. C'est pour l'occasion pour dresser bilan avancement qui fait dans la réforme de l'État et puis mettre campé plan pour rendre OMRH plus fort d'après le coordonnateur général OMRH, la docteur Josué Pierre-Louis. Sénateur Noah Nahouma Marcellus subit un accident vasculaire cérébral AVC dans le moment séance plénière mardi 21 mars passé. Depuis hier mercredi, le sénateur prend direction pays les États-Unis côté là prend soin dans Jackson Memorial Hospital. Porte-parole PNH La France, Lerbourg, dressé bilan diverses opérations. La police mène sorti 7 pour arriver 21 mars passé. Ensemble, point ça va camper l'autre. T'es fait essentiel le journal là pour jeudi 22 mars 2018. Là, n'a pas invité au rétablissement chez Télévision Nationale d'Haïti. Information à quoi poursuivre. Mais entre temps, après, c'était tout pour nous passer une excellente journée de jeudi. N'a pas croisé demain pour une nouvelle sortie Téléjournal là.